Et bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fall Guys. Et oui, Fall Guys, j'avais envie de faire une petite vidéo dessus, une petite vidéo où on essaye le top 1, vous voyez. Donc, si vous voulez bien, on va commencer sans plus attendre. On va essayer de se confronter aux autres, on va essayer de remporter directement la victoire dès la première game. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas le meilleur niveau sur Fall Guys. On va dire que, comme une grande majorité des personnes sur ce jeu, je me débrouille. Ouais, je dis ça, mais je sens que je vais me prendre le karma très rapidement. En général, le karma il me rattrape très vite sur ce jeu. Même si parfois c'est sur un coup de malchance, on va espérer avoir de la chance et de gagner. Ah, cette map. Rouler, bouler, ouais, alors. Mauvais pressentiment. Non, en vrai, tout dépend. Il y a des fois où, en vrai, sur cette map, j'arrive bien. Genre, je gère, je trace. Et des fois, non. Des fois, le jeu me dit non, j'ai pas envie. En espérant que cette fois-ci, le jeu dit que j'ai envie. Bon. C'est parti, mon kiki. On va essayer de gagner. Même si, en plus, on commence tout derrière. Même, on est pas que tout derrière, on est tout derrière, mais genre tout derrière, gauche. Là, on gère. On a failli tomber, mais vous avez un vu. On continue, on va éviter de se prendre les espèces de bouées là. Et tout le monde qui se pousse, c'est génial. Ce jeu, il faut quand même noter que beaucoup de gens se poussent. Genre juste en se collant. Et ouais. Là, on continue. On va attendre un tout petit peu, on va tempo. Et là, ça va. J'ai préféré tempo parce que, à mon avis. Oh punaise. Oh punaise. Ah bah génial, bah voilà. Je vous disais que j'allais tempo, mais en fait, en temporisant, on est tombé. Je sais pas combien de gens sont passés, on va espérer se qualifier. Ok, c'est bon, je pense qu'on est qualifié. Là, on court. En même temps, s'il y a quelques petites maps où on passe dessus, peut-être que je pourrais essayer de vous donner quelques petites astuces. Voilà, on dash. Et c'est bon, on est qualifié. C'est bon, on est, je crois, 34e ou 33e. Ouais, on fait partie des derniers, je sais. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai pas le meilleur niveau du monde. Tiens, cette map, piste folle. Ok. En vrai, cette map, en vrai, ça dépend. Il y a des fois, j'ai réussi. Des fois, non. Quand je vous dis que j'ai réussi, c'est. Parfois, j'arrive à first. Et des fois, quand je vous dis que j'y arrive pas, c'est genre juste le jeu n'a pas envie, juste à passer le premier anneau, le jeu me dit tais-toi, au revoir, hey, saute. À mon avis, tout ce que j'ai vu sur TikTok, et oui, on se base sur TikTok parce que tout le monde fait des tips en ce moment, et ben, à ce qui paraît, en gros, il faut zapper le premier anneau. Et vous savez quoi? Moi je vais pas suivre ce qu'ils disent. Moi je vais suivre mon instinct. Mon instinct il me dit de sauter. De tâcher. Et là on attend un tout petit peu. Et on va chercher l'anneau doré. Voilà. Et là on va chercher l'autre anneau doré. Oui! C'est bon, on l'a eu. Génial. On est déjà à 11 points sur 15. Et ben vous voyez quand je vous dis que. On suit son instinct. Ah ben. Ça m'apprendra à parler un peu trop vite. On saute. Oh, oh punaise. Oh punaise, c'est bon. Oui. C'est bon, on a réussi à se qualifier. Toujours pas premier dans une des épreuves, mais on fait partie au moins du top 10. Et même, je sais pas si c'est du top 5. Non, du top 10. Je crois qu'il y en a, je suis arrivé 6ème ou 7ème. On regarde les autres en train d'essayer. On a un petit skin. Oh non, le pauvre. Le petit skin Among Us n'a pas pu passer. Et je crois qu'il n'est pas qualifié. Au moins, s'il était imposteur, et ben. Ah zut, il y en a encore en fait. Juste ici. Et ben en fait, au moins, on a déjà une personne éliminée. Et si c'est un imposteur, et ben. C'est good pour nous. Écoutez. On fait allusion à deux gens en même temps. C'est totalement normal. Alors, quelle épreuve? Ah, les pros du saut. Ouais.
Alors, on va essayer de jouer. Je vais jouer fair play. C'est-à-dire que quand le truc va tourner très vite, je vais pas grab les gens. Parce qu'on va faire sur du fair play. Si par contre il y en a, ils essayent de casser la tête aux autres, et ben on va essayer de leur mettre le karma, même si le karma il va se revenir sur nous. C'est pour ça que je ne tenterai rien et on va faire que du fair play. Alors, j'ai envie d'essayer un truc. Je vais essayer. Oh! Oh, y'a moyen! Non! Ok. Ok, je vais mourir. Ok, ça. On le tente plus, on le tente plus du tout. On a failli mourir comme un gros nul. Donc, on va éviter de le faire. On va juste essayer de gagner le plus vite possible. Ok, on a un skin Among Us qui vient de se barrer. Au moins, si les deux étaient imposteurs, on a au moins gagné. Même si on a fait zéro task. Et ben voilà, on s'est qualifié. En fait, mon but au début c'était essayer de monter sur la barre verte. Il me semble que c'est possible. Mais vous avez bien vu que j'aurais pu tomber. Donc c'est pour ça que j'ai évité d'y le faire. Ah, ici. Comment jouer? Ouais, ok. Il faut aller chercher les petits cerceaux. Bon, à mon avis, si je peux vous donner un conseil, faut pas chercher tout de suite les anneaux dorés. C'est-à-dire que si les anneaux dorés sont à 3 km de vous, à mon avis, il faut pas les chercher parce que les autres vont forcément y arriver avant vous. Voyez, par exemple, celui qui est tout là-bas, ça sert à rien. Il faudra focus d'autres cerceaux, genre celui à droite. Sauf que bien sûr, il va l'avoir. Génial, on commence bien, sachant qu'il en faut 6. On va dire que ça va aller très vite. Oui, j'ai voulu l'attraper, excusez-moi. On va aller chercher celui-là. Oh punaise! Ah, mais génial, on est très nul, ça commence très bien. Y'a moyen? Non, y a pas moyen. Et en plus, on se défonce sa tête. Oh! Oh! Oh, génial, il a réussi. Nice. On a récolté 0 cerceau, on est très fort. Hop! Oh, mais c'est pas possible. On est très fort. Là, le premier. Et peut-être le seul et unique. Le deuxième. Bah non, on l'a pas eu. Oh, là-bas. Bah non. En fait, il faudrait ramener un truc. Si j'arrive à l'avoir, on est qualifié direct. Mais comment vous dire? Ce qui est quasi imp. Voilà, alors, bon, on va chercher ailleurs. Là, on perd du temps sur celui-là en fait. Et des fois, si on perd du temps, ça sert à rien d'aller chercher. Autant gagner du temps à récolter. Oh. Oui, il y a eu un. Punaise, je suis pas doué. C'est incroyable. On n'est pas doué. On n'est vraiment pas doué. Si on se qualifie, c'est un miracle. Oh. Le dernier. Oui! Ok, on s'est qualifié, on est 7ème. Je vous avais dit que j'ai pas le meilleur niveau du monde. Hein. Vous avez vu comment j'ai galéré juste pour essayer de passer à un endroit, juste pour éviter la hache. J'ai pas réussi. Genre, j'ai dû compter le nombre de fois où j'ai essayé. Quelle est la prochaine épreuve? C'est. Ah, c'est la finale. Ok, c'est la finale, genre. On va essayer de faire top 1. Ça serait incroyable si on fait un top 1 first game, vous voyez. La première game du commencement, on fait top 1. Si on y arrive, c'est incroyable. Mais par contre, sur ce genre de jeu, je suis pas très fort. Ouais, sur les jeux où il faut temporiser. Si on fait top 1, c'est un miracle. Voilà. L'enflure. Barre-toi. Allez, voilà. Vous voyez, moi j'ai joué le fair play, vous voyez. Il essaye de venir me chercher. Mais moi je vais jouer le fair play. Même si parfois jouer le fair play ça paye pas trop. Et du coup, au tout début, je pense qu'on va casser la tête à tout le monde, on va essayer de couper. Et après, il faudra essayer de temporiser. Combien de couches? Il y a 3 couches. On a le petit rouge ici.
là sont grave pas là. Encore personne qui est tombé. Là bah, ça va être la mort. Ensuite, du coup tout le monde est en train de casser. On va faire un petit déj au moins pour que on soit assuré. On va partir de l'autre côté. Oh punaise, l'enflure. Non. Et bah voilà. Et bah voilà, c'était sûr. Et bah génial hein, on a perdu. On va au moins regarder qui va gagner, je pense. Ou peut-être pas. Ah, et bah qui a gagné du coup? Et bah c'est petit. C'est la petite licorne. Mais une licorne un peu bizarre. Genre une licorne avec des ailes de papillon. C'est la fée licorne, vous voyez. La fée licorne, voilà. C'est la fée licorne qui a gagné. Et bien, c'est dommage. On n'a pas réussi à gagner la first. Bon. Essayer de regagner. On va voir ce qu'on gagne. Je vais quand même voir le nombre de couronnes qu'on gagne. Je crois qu'on va en gagner 3. 3 x 6, 60. J'ai dit n'importe quoi. 3 x 6, 18. Donc, du coup, 3 x 60, 180. Bref. Du coup. Et ça fait spé mal. Bref. Du coup, on relance. On retourne sur cette map. Dans la toundra. C'est une map que j'aime beaucoup. C'est à mon avis la map. Où j'y arrive le mieux, je crois. Je vais le dire ça, mais je sens que je vais avoir le karma et dans pas longtemps. Vous voyez, genre vers la fin, tu vois, la fin c'est souvent là où je galère. Et en plus, oh, nice, on est dans les premiers. On va faire du jump. On va voir si ça paye. Un petit tour. Ok, on est deuxième. On suit le vert. On court. On évite la boule. On évite. Et là, on est first. Et oh punaise. Petit raccourci et là on court. Là tu fais ça et tu fais un petit saut. Comme ça au moins tu perds pas de temps. On court. Vous voyez, là j'ai bien allongé à gauche. Oh punaise, il est arrivé lui. Wow. Ok. Oh. Vous voyez, on a failli mourir. Petite astuce, vous prenez à droite ici et là vous montez. Et vous voyez, vous prenez pas le ventilo. On tape et voilà, first. Et ben voilà, on a gagné cette course premier, c'est incroyable. C'est pour ça que je dis que j'aime beaucoup cette map. Cette map, c'est à mon avis ma préférée parce que je gère le. Oh le pauvre. Allez, petit. On est sur Ryan. Allez, Ryan, you can do it. Vous noterez que j'ai un accent anglais explosé. Il va réussir. Et Ryan qui. Oh! Vous voyez, ça, c'est ce genre de chose qui peut totalement m'arriver sur ce genre de jeu. Oh, wow! Ah, ici, je gère un peu moins, en vrai. C'est surtout vers la fin, genre. Avec les petites. Trucs qui bougent, là. Les bouées qui bouillent. Et ben, en fait, ces bouées, parfois, elles m'empêchent de gagner. Et en plus, ouais, il y a une grande partie. On va essayer d'arriver dans les first pour essayer de passer les espèces de délices. Je crois la deuxième épreuve le plus vite possible. Et on est en troisième ligne. Donc on va essayer. On va passer en haut. On va essayer déjà de rester en haut. Si on reste en haut, c'est incroyable. Ben, voilà. C'était pas incroyable, mais bon, on essaie de continuer. Il faut aller dans le sens des gens. C'est au moins on ne perd pas de temps. Oh yes. Vas-y. On dash. Ok, c'est bon. On a failli se faire écraser. Mais on est encore vivant. On continue. Oh, il y a encore le vert. Le vert depuis tout à l'heure, il est fort. On le suit. On le colle. Oh. Non. First. Oui, first. Je sais pas. Si, first. Il y a eu la petite... Comment ça s'appelle le trophée. On est first. Attendez pas à ce qu'on soit first en vrai sur cette épreuve. En plus c'est surtout la fin qui parfois me fait un peu galérer. Mais on est first. Deux fois first d'affilée, c'est nickel. Tout le monde saute, tout est tranquille. Nous on est encore là. Oh un petit dinosaure. Ouais je. Il y a des fois il y a des petits trucs tu vois un peu inutiles et tu te dis. Tu accordes de l'attention à cette chose. Ou du moins à lui. C'est un dinosaure avec un pot de glace.
Woot. Non! Oh non! Oh non! Non! Ça partait si bien! Bon, bah on y retourne. Ça partait si bien, on avait fait deux parties d'affilée où on était first. Ça partait tellement bien. Et ben on n'a pas réussi. Et ben c'est génial. Quand je vous dis, voilà, le jeu il m'a dit non, stop. Tu es trop fort. Ah mais c'est génial. On s'est donné à fond. On a même failli ne pas arriver premier sur la deuxième épreuve. Sur la première, c'était normal, tu vois, parce que on avait bien géré. Mais la deuxième, on s'était donné à 100%. Et ben on n'a pas réussi. C'est génial. Bon. Hauteur vertigineuse. Encore une course. Ça, je sais pas vous dire si je suis bon. En vrai, ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. Sur les courses, ça dépend. En vrai, je pense que sur les courses, une grande majorité des gens sont bons. Sauf qu'il y a des fois où il y a la malchance. Soit des fois, t'as la malchance. Soit parfois, tu es complètement nul. Et du coup, et tu fais pas assez d'efforts. Du coup, on est où? On est en dernière ligne. Vu qu'on est en dernière ligne, et ben, pas avantagé. Vu qu'on n'est pas avantagé, on va essayer de se débrouiller. Zut. Hop. On prend. On va dans le sens. Et c'est bon. On est dans les. Allez, gire, on est dans les 10 premiers. Oh mon gars, trop tôt. Là, tu retournes à droite. Là, tu cours, tu cours, tu cours. C'est bon, on perd pas de temps. On continue. On prend le disque. On saute. On saute. On saute. Et c'est tout. Ok, troisième. Donc on court. Alors, oubliez pas, ici il faut sauter. Faites pas comme moi le premier jour j'ai joué ce jeu, je suis arrivé sur ça. Oh punaise. Et je me suis pris le mur. Non, pas le mur plutôt. C'est bon, deuxième. Allez, deuxième ou troisième, je sais pas. Avec le ping, c'est peut-être un peu déconné. Moi, le premier jour sur cette map, j'ai couru, et ensuite, arrivé à l'épreuve juste derrière là. C'est sûr, ouais, genre juste cette épreuve, il y a un petit vide entre le premier disque et la plateforme. Et ben, moi j'ai couru. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait un vide, comme la grande majorité des gens qui débutent sur le jeu. Et du coup, bah. Je suis mort. Oh, ok. Celle-là, vous vous en rappelez. On a fait first. Celle-là, vous vous en rappelez. Il faut qu'on refasse first. Ça dépend. Si on est tout à droite, on est très avantagé. Parce qu'on pourra prendre le. On pourra un peu couper. Genre. Faut pas aller. Oh, punaise. On est un peu au centre. On est sur le centre à gauche. Là, la technique, c'est. En fait, de prendre un peu toutes les courbes, en fait. Quand j'y cours, attendez, je pense pas que tout le monde va commander directement les courbes. En gros, il faut couper un peu. Il faut aller le plus proche de la rotation, en fait. Genre là, vous longez ce truc. Au moins, comme ça, vous gagnez du temps. Ok. Oh, wow. Il se prend un truc. On est dans les premiers. Voilà, quand je vous dis que la malchance parfois sur cette map elle m'attaque, et ben voilà. On saute. On gagne du temps, on court, on court, on court. On évite les coups de poing. On s'envole vers d'autres cieux, comme la Team Rocket. Tous! Punaise. Ça aurait pu être nous, on aurait pu se prendre un point dans la tronche. On va à droite. Peut-être first. Est-ce qu'on sera encore first? Et on est encore first! Je vous ai dit cette map, je l'adore. C'est à mon avis la seule map où je suis bon dessus. Le reste, bah parfois, je suis un peu nul. On va pas se le cacher. J'ai bien vu la première fois on a essayé de jouer, on n'a pas été très fort. On a été first sur celle-là. Je vous ai dit, on fait first. Bon, première place, c'est génial, on adore le titre. On dit au revoir à tous ceux qui tombent. Et on continue.
Ouais, il y a le petit ours. C'est quoi? On va dire que c'est un espèce de tigre, genre sa tête. Un tigre ou un ours, un truc entre les deux. Il y en a, ils vont rigoler quand je vais dire un ours, alors que c'est un tigre ou l'inverse. Alors, ah, ici, génial. Pas très fan. Parce que je suis un peu nul là-dessus. Donc, on va essayer de donner ce qu'on a. Est-ce qu'il y a un bon spot? On va voir s'il y a un bon petit spot pour gagner des points. Alors, il y a un bon spot que j'ai vu, c'est celui tout à droite. Ouais, avec la barre. Ou sinon, celui-là il est bien. Wow, j'ai jamais autant survécu de. Non! Eh ben génial. Ok, c'est reparti mon kiki. Non! Ah punaise. Ah génial. Ah, on a quelqu'un qui nous invite. Et je peux pas. Ah, c'est dommage. Hop. Encore, encore, encore. Ça devrait être de la bonne chance. Peut-être pas. Oh! Oh, c'est un coup de luck ça, wow! La petite barre qui nous a aidé, vous avez vu la petite barre qui nous a aidé? C'est un coup de luck. Incredible. Ok, ça va. Ça va, ça va. J'allais dire que vu qu'on est 17, on est un nombre impair, il n'y aura pas d'épreuve du style volley fall. Pour ceux qui connaissent. Le jeu où tu fais d'un espèce de volley avec ta tête. Ok, mais là par contre, il y a beaucoup moins de plaques qui se cassent pas. À mon avis, ils m'ont balancé deux boules de neige. Bon, allez, notre but, ça va être de survivre à ça. Allez! On essaye de voir. On a failli mourir dès le premier jour. Dès le premier tour, on aurait pu mourir. S'ils envoient une deuxième. S'il y en a qu'une, c'est tranquille. Si on en a qu'une, on reste genre comme ça pendant 40 secondes. Et on est grave tranquille. Qui sont tombés. Je pense qu'on va pas tarder. En vrai ça va. Je reste un peu sur le bord vite fait. Parce que s'il y en a. Ouais, vous voyez lui. Barre-toi. L'enflure. On aurait pu perdre. Vous voyez pourquoi lui il essaie de tenir lui. C'est un petit rigolo. Là normalement comme la boule elle va là-bas. Je ne pense pas qu'elle est le. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Oh! Enflure! Le petit blanc! Yes! Ok, c'est bon. Oh, le petit blanc! Oh, on aurait pu perdre. Si j'avais pas réagi très vite, le petit blanc, il aurait pu nous défoncer. Lui, là, lui. Ah, oui, d'accord. 1, 3, 3, 4, 4, 3, 2. Pourquoi pas? Alors. Je mise sur un truc soit l'hexagone mais en mode qui tourne. Ah même pas. Ok là c'est une couronne carrément, d'accord. Ok, allez les gens, tout est là-dessus. C'est notre finale, vous voyez. On va essayer de gagner le plus rapidement possible. En plus on est tout à gauche. Donc en vrai théoriquement vu qu'on est tout à gauche, on a peut-être un petit avantage parce que la majorité des gens vont peut-être aller à droite. En fait, il est même pas blanc, il est gris. Allez, on court. On court, on court, on court, on court, on court. On va se mettre tout à gauche. Oh punaise. Ok, c'est le moment ou jamais. On court, on court. Faut bien se mettre à côté des losanges, comme ça on est tranquille. On court, on court, on le course le gars en blanc. Oh! Pas le moment de mourir. Ok, il est tout en haut. Mais il est. Non! Et bah dommage. Et bah dommage, dommage. On a perdu. Bon, écoutez les amis, je pense que. Bon, on n'a pas réussi l'objectif.
C'est dommage. Mais à mon avis, il y aura une prochaine vidéo sur une deuxième partie de Fall Guys, à mon avis. Même à en faire le plus de parties possible jusqu'à qu'on arrive au top 1, jusqu'à qu'on arrive à gagner. En tout cas, les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Et oui, c'est la fin de la vidéo. Désolé, on n'a pas fait top 1. C'est pas grave, on essaiera de la faire ça pour la prochaine fois. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner. Ça paye pas de pain. Et de liker la vidéo. Et au passage, si vous voulez mettre un petit commentaire, allez-y. J'espère que, comme je disais, que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et du coup, c'était Fireblue. Ciao tout le monde.